Je vais passer la parole au chevalier de la table ronde. Alors, je vais d'abord appeler Johan Verdier. J'ai cru voir qu'il était par là. Oui, est-ce que vous m'entendez? Voilà, bonjour Johan. Est-ce que Bonjour à vous tous. pouviez nous dire qui vous êtes, ce que vous faites en une minute, et Oui. puis si vous pouviez nous dire sur les termes qui ont été évoqués par le docteur Avgo, s'il vous plaît. Vous avez la Oui, donc parole. Yo. Merci. Merci. Donc, Johan Verdier, je suis directeur des soins en établissement hospitalier associatif, donc un SSR polyvalent. À Pendagenêt, dans le Lot-et-Garonne, une très belle bastide à visiter d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc, nous avons un programme d'éducation thérapeutique depuis 5 ans maintenant, qui est destiné aux patients lombalgiques chroniques, en arrêt de travail, donc plutôt des patients jeunes. J'ai l'honneur de coordonner ce programme en binôme. Et donc, à ce titre, je tiens à excuser ma binôme qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui est au troisième trimestre de grossesse et donc a été arrêtée sur le finish et m'a lâchement abandonné. Voilà. C'est pas une bonne la remarque là. J'espère qu'elle ne m'écoute pas. Alors, Donc, votre position par rapport à ce qu'a dit le docteur Avros. oui, ben, tout d'abord, je voudrais remercier Etna pour cette journée et remercier le docteur Averroes de nous chambouler. Parce que vos propos nous chamboulent et je crois que c'est important que d'être chamboulé dans la santé et dans nos pratiques parce que je pense que la routine et les habitudes tuent dans la santé. Donc la réflexion est indispensable et prendre un peu de hauteur régulièrement, on essaie d'impulser ça avec nos équipes aussi, notamment par le biais des formations ou d'autres supports et de comités éthiques d'ailleurs qu'on a en place. Donc, merci Etna de poser cette question de l'éthique. Au départ, moi, les termes éthique et ETP, ça m'apparaissait vraiment comme un pléonasme. Je me suis dit, évidemment, il n'y a pas plus éthique que l'ETP. Il n'y a pas plus éthique que ce qu'on fait en ETP où le patient a toute sa place, où la parole du patient est écoutée plus qu'ailleurs, bien plus que dans l'hospitalisation traditionnelle, à mon sens. Puis, j'ai commencé à me poser des questions sur ce qu'on faisait au quotidien avec nos patients en ETP. Et en l'occurrence, chez nous et dans notre programme, il y a une vision d'équipe très forte sur le chemin à parcourir pour nos lombalgiques pour aller mieux. On sait qu'il faut reprendre une activité physique, on va les accompagner là-dedans, perdre un peu de poids souvent, travailler la gestion du stress. C'est des patients qui en ont plein le dos. Donc, on est convaincu, profondément convaincu, que ce qu'on va leur proposer, c'est la bonne direction. Et convaincu qu'ils iront mieux avec ce chemin-là. Alors, évidemment, le programme, il a été construit avec des patients. On a fait des focus groupes. On les a écoutés. On est allé au plus près de leurs besoins. Et on va leur proposer un parcours éducatif dont ils peuvent disposer, qu'ils peuvent négocier. Et là, je rebondis de nouveau sur les propos du docteur Averroes qui disait, je vais te former. Ben oui, on va te former à ce que nous, on a pensé qui serait bien pour toi, même si il y a cet entretien qui leur permet d'entrer dans la négociation. Alors, on sait que dans ce qu'on va leur proposer, dans cette vision forte d'équipe, le chemin implique des changements profonds dans leur mode de vie, des changements drastiques. Il va falloir, quand ils arrivent chez nous, ils ont vu un chirurgien, ils ont vu des ostéopathes, des magnétiseurs, des marabouts. En général, c'est la dernière roue. Et dès le premier jour, on va leur dire maintenant, pour aller mieux, on va vous montrer certaines voies et vous allez devoir changer des choses dès le premier jour. Alors, évidemment, quand on parle d'éthique, je me suis questionné, est-ce que c'est éthique que de vouloir bousculer nos patients? Est-ce que c'est éthique que de vouloir chambouler leur quotidien? Alors, on peut être rassuré par le résultat, puisqu'on a plutôt un programme qui fonctionne bien, avec des résultats objectivés par des tests,
à la fin du séjour, de nouveau à 6 mois, et on voit qu'il continue de progresser, d'aller mieux sur le plan physique, sur le plan psychologique. On évalue aussi leur qualité de vie, la répercussion de la lombalgie avec le questionnaire de Dallas, et tous les signaux sont au vert. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, et on l'a un petit peu moins objectivé, mais c'est quand même très prégnant, on se rend compte à 6 mois qu'il y a beaucoup de patients qui se sont séparés, qui ont divorcé, qui ont changé de boulot. Alors, on sait qu'il y a des facteurs psychosociaux qui émergent pendant le programme, mais c'est nous qui les faisons émerger. Enfin, c'est le programme tel qu'on l'a construit. Et rapidement, ils trouvent des mauvais objets responsables de leur souffrance et d'en avoir plein le dos, qui peuvent être, il y a beaucoup de femmes, alors je vais dire, le mari, qui peut être le travail ou l'employeur, le patron. Voilà. Donc, c'est vraiment éthique que de se poser cette question. Et pour conclure, je dirais, est-ce que l'éducation thérapeutique, finalement, c'est de la manipulation? Voilà, monsieur Chapeau. Ben, écoutez, chapeau, il est ravi d'entendre ce qui en réalité lui tient vraiment à cœur, c'est où est passée cette tentation à la manipulation, bien entendu. Merci beaucoup, Johan. Je vais passer la parole à quelqu'un qui m'a dit il y a quelque temps que c'était un truc, oh là 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 là, c'était compliqué pour lui d'aborder ce sujet. Très très compliqué. Je vais vous présenter Philippe Marcoux, pourvu qu'il soit là. Philippe. Oui, bonjour. Ouais. Entendez? Voilà. Philippe Marcoux, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y a du monde en dehors de la Nouvelle-Aquitaine, c'est quelqu'un qui prend souvent la parole sur ces questions-là, et il le fait en toute humilité, ça je sais. Et en tout engagement, ça je le sais aussi. Donc j'aimerais bien qu'il se présente et puis qu'il nous donne sa position sur les questions. Donc, Philippe Marcoux, donc je suis chargé de mission régionale sur l'éducation thérapeutique pour la Nouvelle-Aquitaine, voilà, depuis maintenant 7 ans. Ouais. Alors effectivement, Michel me tend la perche. Donc merci déjà de m'avoir invité à cette réunion. J'écoute les choses de façon très très attentive parce que je trouve le sujet intéressant et passionnant. Et Michel me tend la perche, donc je rebondis. C'est vrai que c'est un sujet où je me sens pas très à l'aise, tout simplement parce que je ne suis pas déjà un pratiquant de l'éducation thérapeutique. Et très honnêtement, et ça va vous faire rire et sourire, et il ne faudra pas le répéter en dehors de cette visio, mais j'entends pas très souvent le mot éthique dans le cadre de mon emploi à l'Agence régionale de santé. Je l'entendais un petit peu plus à la sécurité sociale quand j'étais à la sécurité sociale, mais je l'entends assez peu à l'Agence régionale de santé. Du coup, pour préparer cette réunion, j'étais pas très. Alors, évidemment, j'ai fait un DU en ETP pour améliorer mes compétences sur le poste. J'ai une réflexion sur la posture des soignants, sur l'objectif de l'ETP, sur les techniques qu'on peut utiliser, éducatif, manipulation. J'ai fait le tour de toutes ces questions, enfin j'ai fait le tour, j'ai réfléchi à toutes ces questions éthiques dans la relation entre le soignant et le soigné, l'objectif de l'ETP, la façon dont on procède, etc., etc. Et je me suis dit au bout du compte que j'étais pas très, j'avais pas grand-chose à apporter finalement à tous les praticiens de l'ETP qui auraient autour de la table aujourd'hui. Du coup, je me suis posé une autre question éthique que je vais vous livrer. Je ne sais même pas si je suis bien dans le sujet. Hein. J'ai décidé de jouer le jeu. Je me jette à l'eau et puis on verra bien ce que ça peut donner. Excusez-moi si je suis à côté. Mais voilà, il se trouve que je connais pas mal de l'histoire de la sécurité sociale. Et quand la sécurité sociale a été créée, il était bien besoin du besoin des patients. Et donc, pendant très longtemps, on a construit les dépenses de l'assurance maladie et donc les dépenses du système de santé, l'accès aux soins, le deuxième pilier en face du pilier système de santé, enfin système curatif en face. Et on a construit ça sur des principes extrêmement généreux, non pas pour soigner les gens, mais considérant que le soin de la personne, sa santé, était plutôt des éléments de son émancipation finale.
Donc l'idée, ce n'était pas de construire un système uniquement d'accès aux soins par le financement, mais bien un système qui devait servir à l'émancipation des individus par le biais de l'atténuation du risque social majeur, qui est le risque social de la santé, et qui empêche de faire des études, de se cultiver, de s'occuper des autres et d'avoir des préoccupations comme l'éthique, par exemple, ou la philosophie qui sont censées donc mener les gens plus haut, plus loin et en faire des individus complets. Voilà. Donc la sécurité sociale s'est basée là-dessus. Les textes et les discussions sur la sécurité sociale montrent bien qu'au début, c'était bien un outil d'émancipation avant tout et pas un système financier de dépenses. Voilà. Sauf que chemin faisant, les mentalités évoluant, les textes évoluant, les approches évoluant, la réalité peut-être aussi de déficit économique, qu'on peut peut-être pas non plus complètement éradiquer de la pensée, mais en 96, avec l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, on a changé le paradigme complet de la sécurité sociale. Pour partir, donc pour changer un système qui était sur l'agrégation des besoins et donc le besoin des patients, et pour aboutir à un système où on a fait une révolution copernicienne, on a arrêté de considérer le besoin, en tout cas en théorie, pour le financement, et on est parti donc sur les ressources, décidant que les ressources devaient donc être aujourd'hui limitées, certes démocratiquement, mais limitées par rapport à une prise en charge. Et donc, je voulais apporter cette dimension-là. Quelle est l'éthique d'un système qui regarde d'abord le montant des dépenses avant de regarder le besoin du patient? Voilà. Et comment et d'ailleurs, je me suis aperçu de cette occasion et cette réflexion. Et je remercie du coup Etna de m'avoir invité à cette réflexion qui m'a apporté beaucoup personnellement. Je suis assez mal à l'aise depuis très longtemps dans mon métier sur un certain nombre de choses et j'avais pas mis tout à fait le doigt sur cette problématique de l'éthique des financements et de l'éthique des injonctions contradictoires, de l'éthique de demander un résultat par rapport à un montant dont on sait pertinemment qu'il n'est pas adapté, par exemple. Voilà. Sur l'éthique de pratique, comme par exemple recourir à des moyennes de salaire, alors que si on est un peu réaliste, on sait que si on juge les équipes sur une moyenne de salaire, bah, de fait, ça va exclure, au bout du compte, certaines compétences et certaines âges. J'arrive à là où je me dis, tiens, si on regarde juste mon salaire par rapport à la moyenne des salaires, bah, on peut me mettre dehors relativement facilement, puisque effectivement, je deviens un poids et non plus une ressource. Je deviens une dépense. Donc, toutes ces questions-là m'interpellent et en plus, j'y vois un danger extrêmement important dans les pratiques que je vois autour de moi, les demandes qu'on me fait, les retours, les discours. C'est que si la prévention, du coup, d'une façon générale, ou éducation thérapeutique, son objectif, ce n'est plus la qualité des soins et de prendre soin des gens, mais de faire baisser les dépenses, comme on peut l'entendre souvent sur la prévention d'une façon générale. Mais quid de la prévention le jour où on dépensera moins? Je veux dire, si on présente l'ETP diabète comme étant un moyen de faire des économies sur les amputations, on peut parfaitement imaginer que dans les 10 ans, les amputations coûtent beaucoup moins cher que l'éducation des gens. Et à ce moment-là, quelle est la solution? On l'a vu sur le baclofème, où pour la première fois, on a conditionné la dépense de soins à une attitude sociale et médicale. Et c'est passé crème, si je puis me permettre cette expression de vieux jeune. Ça a choqué personne qu'on sélectionne les patients en fonction de la rentabilité possible du traitement. Voilà. Et du coup, c'est des questions qui m'agitent et que je voulais poser aujourd'hui. Voilà. Merci Philippe. Et je vois que la sincérité fait partie des valeurs que tu aimes cultiver. Ça nous va très bien, bien entendu. Je voudrais, et je note d'ailleurs qu'il y a une participante qui a marqué son accord avec toi. J'en suis absolument ravi. Je pense que ce n'est pas la seule. Je voudrais passer la parole à Monsieur Guittard. Sébastien, êtes-vous là? Oui, bonjour. Hello. Oui. Sébastien, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous faire part de vos réflexions?
Oui, donc moi je suis patient ressource au sein d'un programme au Centre de rééducation Méliorice Le Grand Fleu à Niort sur la thématique, j'ai perdu toujours le nom du programme. C'est patient porteur d'un handicap urinaire et fécal d'origine neurologique. Donc j'ai intégré, ça s'est fait en deux temps en fait. J'ai intégré ce programme d'abord parce que j'étais un patient. J'ai la chance d'être président d'une association au sein de représentants d'anciens patients au sein de l'établissement, et c'est à ce titre qu'on m'a sollicité et encouragé à intervenir lors de tables rondes par l'infirmière coordinatrice du programme. Et progressivement, elle a réussi à mettre le grappin dessus, où elle m'a proposé plusieurs fois la formation de 40 heures pour que j'intègre plus particulièrement le programme et vraiment l'équipe. Ce que j'ai fait en 2018, et depuis, ben je fais vraiment partie de l'équipe, et c'est quand même très agréable. J'en prends tellement plaisir que je souhaite suivre des formations maintenant pour pouvoir continuer à m'impliquer au sein du programme et au sein de l'établissement. Sur l'éthique, donc, quelle Et réflexion ça suscite? donc, sur l'éthique, déjà merci à tous ceux qui ont intervenu avant moi. Ça me fait un peu réagir. Justement, j'avais aussi un petit peu noté, j'avais voulu noter un peu à ma sauce par rapport aux recherches que j'ai faites sur l'éthique. La définition que j'y voyais par rapport à mon parcours et les actions que je mène au sein du programme. Alors, voilà ce que j'avais noté, et derrière, je vais continuer sur ma réflexion au niveau de l'éthique et mon point de vue sur. Alors, moi, voilà, je représente pas des maladies chroniques, mais plutôt le handicap en général. Et de ce fait, je pense que le point de vue peut être différent. Du fait que ce soit une maladie, soit suite à un accident, je pense que les choses peuvent être complètement différentes. D'ailleurs, j'en suis convaincu, mais ça discute. Voilà la morale que la définition que j'ai voulu en sortir. Alors, je dirais que l'éthique sur le TP, en l'ETP, je dirais que c'est mener des actions bienfaisantes, justes et qui respectent les patients, tout en les rendant plus autonomes possible dans la connaissance de la maladie, de ses conséquences et de comment le vivre au quotidien. Alors ça, c'est ce que j'ai voulu, moi, ce qui me paraissait être éthique. Après, de mon côté, ça m'oblige à travailler sur moi, parce que je pense que l'autonomie, c'est quelque chose de très important. Ça a été mon leitmotiv je suis paraplégique depuis 20 ans. Et c'est aujourd'hui, c'est un peu dur de rencontrer des patients qui sont pas dans la même démarche, parce que tout simplement, peut-être que c'est parce que c'est dur, parce que l'entourage n'est pas non plus dans la démarche. Et aussi, malheureusement, il est aussi possible, alors que je ne fais pas d'un cas une généralité, mais ça arrive, puisqu'il peut arriver que l'accident ou le handicap est dû à un tiers responsable. Il y aura une prise en charge aussi d'une assurance de tiers. Et pourquoi s'embêter à devenir plus autonome? Parce que du coup, si je suis plus autonome, j'aurai moins de. La rente sera moins importante. Voilà. Ça, c'est juste une réflexion par rapport à l'éthique et du coup, du handicap lié à un tiers responsable, mais je ne mets pas toutes les personnes dans ce panier. C'est juste une réflexion. Ok, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à ce garçon que j'ai férocement censuré. Il m'en voudra pas parce qu'il me connaît bien et que je le taquine très souvent. Alexandre Berquet, auriez-vous l'amabilité de nous dire ce que vous faites dans la vie, s'il vous plaît, et de nous faire part de vos réflexions? Bonjour à toutes et à tous. On parle de démocratie en santé, puis après on se fait censurer. Oui. Oui, je sais, Michel. Ce que je fais dans la vie. Alors moi, je suis un citoyen particulièrement engagé sur les questions de démocratie en santé, justement. Et dans le cadre professionnel, j'accompagne depuis un petit bout, maintenant près de 15 ans, des professionnels de santé à travailler en partenariat avec des patients, que ce soit dans les soins, l'organisation des soins,
la formation ou la recherche. Et j'ai fait ça essentiellement au Québec jusqu'en 2019, mais depuis, je suis de retour en France. Et aujourd'hui, je partage mon temps. Là, je suis à mi-temps aux Hospices Civils de Lyon, où j'accompagne des équipes justement là-dessus. Et la même chose en Bretagne, sur une structure qui est financée par l'ARS, où on fait ça avec. Donc, je suis en duo avec un patient partenaire dans les deux cas. Et en Bretagne, c'est sur l'ensemble du territoire. Donc, on peut accompagner des gens qui sont en maison de santé pluriprofessionnelle, dans les dispositifs d'appui à la coordination, les CH, les CHU, les IFSI, les facs de médecine, etc. Donc, j'ai aussi un petit intérêt pour la philosophie. Donc, l'éthique me parle, et notamment, j'ai beaucoup travaillé l'éthique de Spinoza. Donc, forcément, ça va teinter un petit peu mon propos. Donc, je me suis mis déjà, il y avait une petite question qui était en amont sur ce qu'on on retient ou ce qui fait réagir par rapport à la conférence introductive. Il y a deux, trois éléments justement qui ont fait écho à des réflexions que j'ai. La première, et qui est toujours une question délicate, c'est que, en effet, une des solutions, même si ce n'est pas vraiment une, qu'on a trouvé à la question de l'universalisme, c'est-à-dire de savoir quelles sont les valeurs qu'on pourrait utiliser pour guider notre vie et nos actions au quotidien pour aller vers la vie bonne, comme justement il y a un questionnement sur à quel point c'est universel et dans tout pays et pour toute personne, ça serait la même chose, on a un peu concentré notre attention sur le fait que l'éthique, ça serait en fait une question de discussion, une question communicationnelle, et qu'en fait, c'est le processus qui compte. Alors, ça fait relativement sens et ça tient intellectuellement. Ce qui est difficile, ce que je vois au quotidien dans le système de santé, c'est que pour avoir une éthique de la discussion qui correspond aux critères qu'on se donne dans le cadre de ces éthiques-là, il n'y a pas grand monde qui est compétent et qui a un lexique suffisamment détaillé, nuancé pour exprimer son avis, ses besoins, ses critiques de manière suffisamment constructive, explicite, etc., qui fait qu'on est capable d'avoir un agir communicationnel efficace. Donc, à la fois oui, et, mais l'enjeu, c'est que les conditions actuelles rendent difficile ça. Et donc, il y a tout de suite un accès inégal à l'expression de sa conception de la vie bonne qui est permise à ceux qui ont les moyens et les compétences de, un, le faire entendre, et deux, de le faire respecter, ou en tout cas d'organiser les soins d'une manière qui correspond à leurs valeurs. Donc, ça, c'est le premier point qui a fait écho. Le deuxième, c'est justement ce qu'a apporté le partenariat avec les patients, c'est-à-dire la question justement entre objectif et subjectif, entre les savoirs des professionnels et les savoirs des patients. Et dans cette logique-là, donc, ce que je présenterai, c'est que nous, on a beaucoup présenté les savoirs qu'on appelle les savoirs, enfin, à tort, les savoirs scientifiques des professionnels, parce que la plupart du temps, ce n'est pas des savoirs scientifiques qui mobilisent, parce que là, le soin est un art et non pas une science. C'est un art qui mobilise les fruits de la science, mais donc les savoirs du médecin, de l'aide-soignant, de l'infirmière, de l'éducateur spécialisé, c'est des savoirs expérientiels qui ont fait leur preuve dans une diversité de cas. Comme le patient qui vit avec le diabète, qui, face à des défis quotidiens, et des fois qui ne sont pas dans les livres, innove, essaye certaines choses, et puis au bout d'un moment, il voit que ça marche assez régulièrement dans plusieurs cas. Et donc, on n'a pas que... Je pense, c'est ça qui est important aujourd'hui, des savoirs expérientiels des patients qui seraient singuliers et subjectifs, et de l'autre côté, des savoirs des professionnels qui seraient objectifs et plus universels. Mais on arrive justement à réinterroger le fait que la plupart des savoirs d'un bon chirurgien, c'est des savoirs issus de l'expérience au bout de sa 180e opération de la hanche, qui fait qu'il a réussi à voir que quand il y a une hémorragie, en gros, quand il appuie comme ça sur le vaisseau, ça a tendance à l'aider à. Et qu'en fait, le patient, c'est exactement la même chose. Et qu'en fait, on est face à deux types de savoirs expérientiels. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt de reconnaître peut-être le fait que le meilleur moyen de permettre au patient de reconnaître qu'il a des savoirs expérientiels qui ne sont pas uniquement singuliers à travers ce qu'il a appris, c'est de l'encourager à les socialiser, ces savoirs, c'est-à-dire d'aller dans des associations de patients ou d'autres formes de socialisation que les associations de patients, mais d'aller suffisamment parler à d'autres personnes qui sont confrontées à des défis similaires pour identifier ce qui est propre à eux, mais ce qui est commun à tous aussi. Et ce qui fait que quand on arrive à atteindre ce degré, on arrive à voir que dans ces savoirs qu'on a appris, même si on n'est pas un professionnel de santé, on arrive à avoir des savoirs qui ont un degré d'objectivité plus élevé et qui sont plus universels, ben là, tout de suite, ça nous change de disposition dans la manière dont on va pouvoir s'exprimer et interagir avec les professionnels de santé. Parce qu'on ne les regardera pas comme étant nous des gens profanes et eux des gens du côté du sacré, justement. Donc ça, c'est les deux choses qui nous font réagir. Du côté de l'éthique, donc moi, ma conception de l'éthique que j'utilise dans tout ce qui est dans l'éducation thérapeutique, ce qui guide ma pensée, c'est que donc dans l'éthique spinoziste, on considère que l'éthique, c'est ce qui vise, c'est une démarche, déjà, c'est pas une chose fixe, mais c'est une démarche qui vise à élaborer et à réaliser une conception de la vie bonne qui est la nôtre, mais surtout, chose importante dans le spinozisme, qui n'est pas déterminée par nos peurs. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas cette option-là, genre, je veux aller au travail et l'important dans ma vie, c'est d'avoir un bon travail.
On pourrait dire que si on était spinoziste, que c'est surtout déterminé par la peur de ne pas avoir les ressources pour vivre au quotidien. Et que donc, on se dit qu'un emploi salarié avec un CDI, c'est très, très bien. Et on dit, c'est ça ma conception, c'est que je veux un bon emploi salarié. Bon, donc si on était un peu spinoziste jusqu'au bout, on dirait, bon, en même temps, il faut après distinguer ce qui est déterminé par des peurs et donc qui ne nous amène pas forcément au bon endroit et ce qui est vraiment à la source de notre joie et puis de la plénitude, quoi. La deuxième chose, c'est que... Donc, il y a certainement deux manières de travailler l'éthique en éducation thérapeutique. Alors, la première, avant même en point de vigilance, c'est qu'on utilise le mot éthique comme un signifiant vide aujourd'hui. C'est un peu un mot valise qui fait qu'on l'utilise comme s'il pouvait qualifier quelque chose de correct versus pas correct. C'est-à-dire, on va dire ça, c'est un comportement éthique. Est-ce que ça, c'est éthique ou pas? Et ça, c'est un gros problème parce que les nazis avaient une éthique, en fait. Ils avaient une conception de la vie bonne. Il y avait une éthique nazie. Eux, ils avaient une conception de la vie bonne où certaines personnes de la société n'avaient pas leur place dans une vie qui leur paraissait désirable. Donc, le problème de dire c'est un critère, le problème, c'est que ça nous empêche d'aller expliciter qu'est-ce qu'on veut dire, quelle est notre conception de la vie bonne. Donc, un comportement n'est jamais éthique ou pas éthique. Ça correspond à une éthique conséquentialiste, utilitariste, de la joie, de l'émancipation, de ce que vous voulez, mais ce qui est important, c'est de préciser ce qu'on veut dire derrière. Alors déjà, ça, c'est le premier point de vigilance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? La première chose qu'on a comme pouvoir d'agir sur ces questions-là, c'est professionnel comme patient, c'est travailler à notre capacité d'explicitation de notre conception de la vie bonne. C'est-à-dire déjà d'y consacrer du temps. Si je veux demander à toutes et à tous là, de m'écrire sur papier votre conception de la vie bonne qui guide vos décisions chaque jour, je pense que je le fais régulièrement, il y a 99% des gens qui ne sont pas capables de l'écrire en une minute. Là. Il va falloir qu'ils y réfléchissent. Parce qu'en fait, on y consacre rarement du temps à se dire « mais qu'est-ce que je désire fondamentalement ?» Sauf des fois quand on fait l'épreuve de la vie avec la maladie, justement. Parce que là, ça nous force à certaines réinterrogations existentielles. Et de la même manière des professionnels, je le dis aux professionnels qui sont là, quand je pose la question à des soignants et de leur dire c'est quoi votre éthique du soin, c'est-à-dire c'est quoi votre conception du soin adéquat, celle qui vous paraît désirable et qui va être le tuteur à l'aune duquel vous jugez l'adéquation de vos actions au quotidien. Mais en fait, la plupart des soignants à qui je pose ces questions, c'est pareil. Ils ont rarement à la bouche, en tout cas, ils sont rarement capables de mettre des mots explicite sur leur conception du soin adéquat. Et là, on se demande, mais comment je peux agir au quotidien si je n'ai pas une conception explicite de ce que je considérais désirable, juste, etc., comme on l'a cité jusqu'à présent. Donc, le premier pouvoir d'agir qu'on a, il est là. Ça, on peut commencer tout de suite, une minute après le webinaire. Il n'y a rien qui nous empêche, ça ne demande pas des changements systémiques et structurels. On peut commencer, on a tous le pouvoir de consacrer du temps à essayer de mettre des mots là-dessus et puis peut-être d'en discuter avec d'autres pour justement nous aider à aller identifier là-dedans ce qui fait sens, ce qui est de l'ordre du déchet, on dirait en analyse transactionnelle, et ce qui est l'ordre de quelque chose de plus fondamental. La deuxième chose, et ce sera le dernier élément, moi, mon travail principal au quotidien, c'est de, au lieu justement de m'intéresser qu'à cette question individuelle qui en même temps laisse les gens avec une forme d'injonction à se comporter différemment ou à faire ce travail éthique qui est difficile et dont les conditions ne sont pas toujours optimales autour de nous, c'est surtout de le travailler au niveau organisationnel. C'est-à-dire comment on fait en sorte pour que l'éthique, c'est-à-dire que comment faire en sorte que les activités d'éducation thérapeutique contribuent à l'explicitation de ce que désirent les gens comme type de soins et comme type de vie et qu'ils puissent se soigner et mobiliser les soignants d'une manière à ce que ça réponde à cette conception du soin. Pour que les programmes de TPI facilitent ça, ce qu'on constate, c'est que un des seuls moyens quasiment, c'est d'intégrer les patients, les personnes concernées, le plus en amont possible de la conception même du dispositif. Vous savez, je pense, il y a plusieurs professionnels du milieu, en France, on n'est même pas à 12 ou 13% de programmes qui impliquent des patients. Et qui impliquent, ça ne veut même pas dire que c'est en partenariat, en amont, on a construit le truc, on le co-anime et puis on le co-évalue. Hein. Ça peut être un témoignage mobilisé entre 15h12 et 16h47 à la journée 3, et puis ça fait pleurer tout le monde et on repasse aux choses sérieuses. Quoi. Donc, c'est un degré d'implication qui est discutable encore. Donc, il faut se poser la question. Si, j'ai oublié d'expliciter un postulat avant. Moi, mon postulat, c'est qu'on a beau être bien intentionné, compétent, quand on agit pour la personne et pour son bien, la plupart du temps, il y a peu de chances qu'on y arrive et qu'on soit aligné sur ses réels besoins. Et ça, j'ai oublié de le dire, ce qui est important, c'est que moi, je suis convaincu que c'est des organisations collectives qui sont les meilleurs garde-fous au respect des besoins des personnes et non pas se dire aux gens, il faut juste que vous soyez meilleur, que vous ayez une meilleure personne, que vous soyez éthiquement correct et puis là, ça fera du bien aux autres. Alors moi, je crois fondamentalement au collectif et à la gouvernance du collectif et que de ce fait-là, le seul moyen pour moi, en tout cas dans ma conception et de ce que j'ai pu voir empiriquement dans mes contextes, c'était que pour aligner au mieux les actions d'éducation thérapeutique vers le développement des pouvoirs d'agir des patients
eh bien, ce qui marchait le plus souvent, c'était leur implication le plus en amont possible dans la discussion, l'élaboration et la réalisation des actions d'éducation thérapeutique. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment vigilant avec ça, parce que je me retrouve dans plusieurs programmes où j'ai des gens super bien intentionnés, super sympas, il se passe de la joie, tout le monde a du plaisir dans l'activité, mais ça ne développe pas grand-chose en termes de pouvoir d'agir derrière. On ne diminue pas le degré de dépendance qu'il va y avoir entre le soignant et le professionnel. On garde ce rapport-là. Donc, je pense que ça, c'est un point de vigilance à garder. Donc, le dernier, qu'est-ce que je m'étais mis là-dessus ? Faut pas. Alors, par contre, peut-être la dernière dimension, je ne l'ai pas marqué, mais c'est que, je l'ai dit, ce travail, il est exigeant. Deuxièmement, il se travaille le levier le plus efficace. Il est certainement plus à l'échelle collective qu'à l'échelle individuelle que de rajouter juste de l'injonction individuelle à chacun à faire mieux, parce que il y a quand même des structures qui nous aident moins à consacrer du temps, de l'énergie et d'avoir les compétences pour faire ce travail-là. Donc, il ne faut pas se fier qu'aux individus. Mais il ne faut pas sous-estimer le travail culturel que ça requiert. Et on ne peut pas juste dire aux soignants, impliquer des patients plus en amont. Il faut des ressources d'accompagnement. Il faut que des gens qui aient déjà vécu ces expériences-là les aident. Et j'en profite donc pour dire qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses structures régionales de santé donc, qui sont financées par les fonds publics qui sont disponibles pour accompagner les professionnels à faire cela. Nous, en Bretagne, on est donc 3 ou 4 personnes, dont la moitié des patients et des professionnels de santé dans l'équipe, qui accompagnons les professionnels pour qui ça fait sens, ces pratiques-là, mais qui n'osent pas et qui ont besoin d'être accompagnés dans l'expérimentation d'un pilote ou de ses premières actions. Donc surtout, ne pas hésiter à mobiliser les ressources collectives à l'échelle du territoire, même plus largement, parce qu'il y a beaucoup de gens très motivés, très engagés et très expérimentés aussi dans ce domaine-là et qui seront un plaisir de vous donner un coup de main. Donc, merci. Merci Alexandre. Pour les Bordelais, ils voient demain au CHU et on aura le plaisir de rediscuter évidemment de ces questions-là. Et pour un tapeto qui veut sur les questions de censure, bien sûr. Je voudrais donner la parole maintenant au docteur Avrous parce qu'il est intéressant d'avoir sa perception des choses maintenant que 4 acteurs ont parlé. Et vous avez vu que les 4 acteurs illustrent 4 dimensions majeures. Il y a la version du financement, un financement éclairé peut-être. Il y a l'expérience personnelle de l'usager, qu'il soit malade, qu'il soit proche, qu'il soit en situation de handicap. Il y a l'éducateur thérapeutique. Toutes ces personnes-là interviennent à partir d'horizons différents. Quant à Alexandre Berquet, je ne sais pas de quel horizon il parle. Personnellement, je suis pillé de rire quand il évoque la position de l'éthique nazie face à Spinoza. Je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé, Spinoza. Bon, ceci dit, elle existe, bien entendu. Docteur, je vous donne la parole. Un grand merci à tous les 4. Je ne vais pas rajouter énormément de choses. En tout cas, je vais revenir sur le collègue de Pelle d'Agenais, Johan Verdier. Donc, moi, j'ai toute ma famille à Agen, donc c'est une très belle région. Voilà. Et donc, effectivement, quand je l'ai noté, quand il s'est posé la question de « est-ce éthique ?» en fait, Alexandre Berquet a tout à fait répondu. Donc, je n'ai pas, et tout à fait de façon très intéressante, répondu à cette question. Donc, effectivement, il y a ce mot valise quand on dit c'est pas très éthique ce que tu fais. Ça veut dire c'est pas très bien ce que tu fais. Et on n'est plus dans vraiment le questionnement éthique qui est autre chose en fait. Bien sûr, fondé sur des normes, sur des valeurs, sur des choses qui peuvent être bien ou pas, mais toutes ces valeurs, tous ces fondements philosophiques aident finalement à essayer de trouver un chemin dans quelque chose qui est extrêmement complexe où rien n'est évident de prime abord. Donc, voilà, un grand merci, c'est très intéressant, effectivement. Donc, je vais revenir, parce que c'est le plus récent, des propos d'Alexandre Berquet sur effectivement l'éthique de Spinoza qui est très joyeuse avec ses passions tristes et ses passions positif que je connais, que j'ai envie un jour de lire. Et je voulais lui poser la question, après je reviendrai sur les propos des autres personnes. Je voulais demander donc à Alexandre si la question de la gouvernance du collectif ne fait pas référence, je sais que c'est une question à la question du public de John Dewey, où il y a quelque chose qui s'élabore vraiment tous ensemble
Alors, bien évidemment, toute l'éthique d'Habermas est extrêmement rationnelle et les limites qui ont été proposées, et celles effectivement dans la réalité, comment on peut donner l'égalité de la parole à l'aide-soignante ou à celui qui discourt facilement et avec aisance. C'est compliqué dans la réalité, donc c'est une visée d'essayer en tout cas dans la discussion, parce que malgré tout, parfois, il émerge de belles choses à travers la discussion qui ont été ni dans la pensée de l'un ni dans la pensée de l'autre. Et finalement, alors bien évidemment, je tire les concepts, mais dans l'éthique de la discussion, s'il n'y a pas, c'est fondé sur la rationalité essentielle, mais il y a quelque chose de l'ordre du collectif qui fait émerger quelque chose, me semble-t-il. Bon, en tout cas, un grand merci pour l'intervention d'Alexandre, qui pourra peut-être revenir sur ses propos. Merci beaucoup aussi à Philippe Marcou, donc avec toute cette question autour de toute cette question autour de la visée de la sécurité sociale concernant l'émancipation de la personne, qui était aussi problématique, hein. Il était question de faire de la personne malade une personne émancipée, compétente, et il y avait, de façon, me semble-t-il, de façon sous-jacente, pas que, il y avait des bonnes intentions, mais il y avait aussi de façon sous-jacente essayer de faire en sorte qu'une personne pèse le moins sur la société et devienne compétitive dans une dimension que j'ai qualifiée, qui est pas mal travaillée au niveau de l'université de Bordeaux-Montaigne, la question du néolibéralisme et ce qu'il engendre de déficit dans les institutions, de déficit financier. Donc, bon, je ne suis pas une grande experte en tout ce qui touche les finances, mais il y a en tout cas quelque chose qui s'est concrétisé dans ce nouveau paradigme que vous aviez proposé, où on n'est plus à essayer de rechercher une émancipation des individus qui avait une dimension un peu généreuse, et on est plutôt à caler les ressources sur des ressources limitées qui sont préétablies. Et c'est un drame. Mais là, on n'est pas à mon sens, on est plutôt dans une dimension politique, même si tout se touche, en tout cas, dans une dimension politique et pas éthique, me semble-t-il, mais je le laisse à la discussion. Et il y a quelque chose. Je suis assez pessimiste, enfin, je ne suis pas la seule, hein, les soignants sont très pessimistes, mais on est dans une situation dramatique au niveau de l'hôpital de ce fait-là. Hein, je crois que la T2A est arrivée après dans le cadre de cette rationalisation des ressources pour que l'hôpital soit plus efficace. Donc, bon, d'autres personnes auront à parler là-dessus. Après, Sébastien Guittard, bon, merci beaucoup pour votre témoignage. Je n'ai pas grand chose à dire. En dehors de cette problématique entre la question du handicap et la question de la maladie chronique qui est très intéressante, et à la limite, je vous relaisserai davantage la parole pour que vous éclaircissiez ce point-là, même si intuitivement, il me paraît logique. Voilà, bon, voilà ce que je voulais dire autour de l'intervention des personnes présentes à la table ronde. Merci beaucoup. Alors, vous avez vu, alors, Madame Jacques demande si elle est la seule à avoir du crépitement sur la bande-son. Ça doit être très variable. Pour ce qui me concerne, ce n'est pas le cas. Quant aux questions des participants, je suis contraint d'arrêter la discussion à 12h30, mais il y a de quoi faire. Hein. Donc, question, la quête de résultats pour le patient justifie-t-elle de se passer de l'éthique? Voilà la bonne question. Qui veut s'y coller? Une victime au hasard, Johan. Est-ce qu'on peut se passer d'éthique quand on veut obtenir des résultats positifs pour le patient? Est-il encore là, Yann Verdier? Non. Oui, pardon. Oui, je suis là. Voilà.
Est-ce que tu te passes des tics, toi, pour faire avancer C'est-à-dire, est-ce que tu fais partie des scouts qui disent à la vieille dame, passez de l'autre côté en prenant le passage scouté alors qu'elle ne veut pas? Non, je ne peux pas répondre oui. Non, non. En effet, je crois qu'on ne peut pas se passer d'éthique ou alors on a un résultat sous l'effet dû à la position du médecin ou du praticien qui va user de son pouvoir, entre guillemets, mais qui sera très transitoire et qui ne sera pas un changement profond et un résultat positif sur le long terme. On ne peut absolument pas se passer d'éthique dans notre pratique. Merci. Oui, et on l'a entendu ce matin, je pense, hein, c'est Oui. on ne peut pas s'en passer, même si on n'y réfléchit pas. Jusqu'à présent, on n'y réfléchissait pas beaucoup, visiblement, mais on l'a toujours en tête, je pense, hein, on peut être d'accord là-dessus. Deuxième question, où place-t-on le ressenti du patient dans l'éthique en ETP? Sébastien, quel est ton ressenti? Est-ce que, à quel point. Ce que, alors, le ressenti, c'est vraiment ce que ça n'est pas articulé de façon intellectuelle, non, c'est ce que tu ressens, l'empreinte que ça laisse sur toi. Est-ce que ça a une place en éthique? Moi, je voulais juste déjà réagir à ce que la personne avant a évoqué, Johan, sur le mode éthique. Est-ce que, moi, c'est ma question, est-ce que l'éthique ne peut pas bouger en fait, son éthique ne peut pas évoluer en fonction de la situation. Je veux dire, est-ce que à un moment, on pense que c'est éthique et parce qu'on est convaincu que ça va aider la personne ou c'est pour la bonne cause, entre guillemets, est-ce qu'on n'est pas capable de varier notre point de vue sur l'éthique, en fait? Moi, c'était ma question, parce que c'est ce qui m'a fait réagir par rapport à la réponse de Johan. Sinon, après, pour revenir à la question, mais en fait, j'ai du mal à répondre sur le côté patient et éthique. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mon ressenti par rapport à la personne, pour moi, c'est vraiment important peut-être trop, hein, c'est peut-être trop prégnant chez moi, cette volonté d'autonomie, ou de gain d'autonomie, ou d'autonomie tout court, je dirais. Alors, avec nos capacités, bien sûr, parce qu'on est tous, on a tous des autonomies différentes en fonction de qui on est et de la situation, bien sûr. De temps en temps, ouais, je suis obligé de prendre sur moi, sur cette peut-être cette manque, c'est pas forcément. Et du coup, je suis désolé, je bafouille un peu, mais je dirais que certains patients vont sortir avec une certaine autonomie parce que on a travaillé comme il fallait. Ça aura fonctionné des deux côtés, et du côté patient et du côté soignant, parce que il faut aussi que ça soit, faut que ça fonctionne des deux côtés, ça ne peut pas marcher que dans un sens. Et d'autres vont devoir sortir alors que l'autonomie sera moindre. Et moi, ça me pose question. Je me dis comment on peut laisser quelqu'un sortir aujourd'hui alors qu'il a, entre guillemets, pour moi, c'est mes valeurs, ce sont mes valeurs, pas le minimum requis pour pouvoir sortir, en fait. Voilà, c'est ma remarque. Merci beaucoup, Sébastien. En tout cas, l'idée de bafouiller, laisse-moi te dire une chose, c'est que tout le monde a droit à la parole, qu'elle soit hésitante, qu'elle soit forte. On n'est pas sur une journée d'échange sur la rhétorique, mais sur l'éthique. Voilà, ça se termine de la même manière, mais bon. Moi, j'ai une question à poser à Philippe Marcoux. La question de l'éthique qui est philosophique n'est-elle pas élitiste? Est-ce que c'est l'affaire de l'élite de la population, l'éthique, pour ce qui te concerne, Philippe Marcoux, je crois me souvenir que tu as fait du travail social aussi. Oui, j'ai été responsable d'association d'insertion et j'ai fait office d'éducateur. Et donc, cette élite, l'éthique est-elle élitiste? Ou est-ce que c'est l'affaire de la population, de tout un chacun, partout?
Oui, c'est une question un peu difficile que tu me poses là. Non, je ne pense pas que l'éthique soit élitiste. Je pense que l'éthique, enfin, je ne sais pas si ce n'est pas un peu contre-intuitif ou contre-productif ce que je dis, ou même complètement faux, mais pour moi, la question d'éthique, en tout cas en éducation thérapeutique, c'est toutes ces questions éthiques conduisent plutôt à améliorer la qualité des soins. Et du coup, ne pas mettre de financement dans l'éducation des gens, c'est à la fois pas tenir compte de leur humanité, mais c'est aussi quelque part nuire à la qualité des soins et donc, in fine, nuire à l'efficacité économique globale du système. C'est-à-dire que non seulement je pense que l'éthique est indispensable d'un point de vue moral, d'un point de vue questionnement, mais en plus, je pense qu'il est à la base d'un vrai bon fonctionnement économique. À moins de décider demain, et peut-être que sous l'effet de la morale et de la pensée néolibérale, de l'efficacité, on en finisse par conclure dans un matérialisme historique qui reviendrait par un autre biais, qu'il y a des gens qui n'ont aucun intérêt par leur existence, et auquel cas ce n'est pas du tout efficace de les garder. Mais si on est dans une approche humaniste où tout le monde compte et tout le monde est important, pour moi, le système économique peut pas s'affranchir de cette éthique parce que ça serait immoral et qu'on vivrait plus ensemble, mais aussi tout simplement parce que ça serait se mettre une balle en pied aussi du point de vue de l'efficacité. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais tout ça me semble être la même réflexion en fait globalement. Et justement, de voir que l'efficacité économique d'un côté et l'éthique d'un autre, quand on sera plus riche, quand on sera plus sage, on fera de l'éthique parce que c'est un luxe qu'on ne peut pas s'accorder, etc. Je pense que c'est un discours néolibéral qui évite justement de réfléchir à l'éthique et qui nous amène sur des pentes relativement dangereuses. Okay, merci beaucoup. Jean-Michel Delaveau vient de nous parler d'ignorance. Alors ça m'intrigue beaucoup. Jean-Michel, j'aimerais bien que vous preniez la parole là-dessus, s'il vous plaît. Oh, c'était simplement en contrepoint de ce qui a été dit sur le coût de la santé. Quand on met en comparaison... si vous estimez que le TP coûte trop cher, que la prévention coûte trop cher, essayez l'ignorance. Hein, bon. Et du coup, là, sur le plan éthique, il y a de quoi réfléchir. Jusqu'où va-t-on dans la limitation des coûts? Qu'est-ce qu'on veut y mettre sur la démarche qui vise la vie bonne? Donc, est-ce qu'on vit bien quand on est ignorant? Et ça sous-entend que le patient doit être un bon observant et ne s'arrêter que là. Son autonomie, c'est de respecter ce qu'on lui dit. Et puis, le TP devient à ce moment-là un enseignement qui n'envoie que sa propre conception du médecin. Voilà. Parce que chaque médecin, on le dit, il y a des expériences, mais chaque médecin, même avec son savoir académique, renvoie aussi ses préférences. Voilà. Donc, est-ce que dans le TP, les professionnels de santé n'envoient pas leurs propres préférences? C'est une bonne question. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais poser la toute dernière question à Alexandre Darquès, parce que c'est un homme qui se balade entre plusieurs mondes. Hein, parce qu'il vient du Québec, comme chacun sait, et Lyon, Rennes, et maintenant il nous rend visite à Bordeaux. J'aimerais bien savoir l'influence de la culture dans cette affaire-là. Est-ce qu'il a observé qu'il y avait des variables culturelles à prendre en compte dans le TP? Est-ce que finalement, l'éthique, c'est universel ou ça peut être apporté à un mode culturel particulier? Alexandre. Vous avez 3 heures, c'est ça? chose importante, je l'avais marqué dans le chat, hein, mais donc pour moi, qu'on parle ou pas d'éthique, elle n'a pas besoin de nous pour qu'elle s'exerce. C'est-à-dire que
on prend forcément au quotidien, on mobilise forcément des repères sur ce qu'on considère être juste, désirable, bien, etc., pour prendre des décisions. Donc, qu'on parle d'éthique ou qu'on n'en parle pas, elle est performative au quotidien, elle se réalise. Donc, il y a toujours déjà, systématiquement, une conception de la vie bonne et de ce qui est désirable, etc., et de ce qui est juste derrière toutes nos décisions. L'enjeu, c'est de savoir est-ce que c'est les bonnes, pour nous comme pour les autres. Raison pour laquelle, à un moment, on est mis en face sur l'éthique de la discussion, de dire, une fois que ça se trouve, j'ai déjà explicité les miennes et compris lesquelles je mobilise, est-ce que c'est forcément les meilleurs pour prendre soin des personnes qui sont avec moi ou qui sont juste là? Et le but, c'est de dire, comment on peut en discuter? Parce que ce que peut-être nous dira la culture, donc si je compare, par exemple, je prends entre Lyon et Rennes, il n'y a pas trop de différence, mais il y en a quelques-unes, mais il faudrait rentrer plus en détail. Parce que là, on verrait surtout des parcours de vie ou des dispositions personnelles des gens, par exemple, le rapport au risque, le rapport à l'injustice, le rapport à ces choses-là, qui déterminent la manière dont on va creuser plus ou moins ces questions éthiques-là. Donc, par exemple, je vois dans le milieu du partenariat, on a beaucoup de personnes qui ont des réactions très fortes à l'injustice et qui sont engagées, dont le moteur premier est souvent ça. Donc, ils vont aller plus que la moyenne, ils vont aller gratter ces questions-là pour aller remettre en question le moindre dispositif qui pourrait entraîner des asymétries de pouvoir qui seraient au détriment des personnes. Si je regarde par rapport au Québec, par exemple, deux éléments qui peuvent jouer là-dedans. Le premier, c'est le fait qu'on considère justement que les savoirs, ils sont essentiellement expérientiels en premier lieu. Et que donc, les diplômes, les grandes écoles, les universités ne déterminent pas grand-chose sur les compétences. Et que l'importance dans la vie, c'est la compétence, pas la qualification institutionnelle d'une probable compétence. Donc déjà ça fait en sorte que contrairement, par exemple, en France, où il faut avoir les 40 heures, et quand on a les 40 heures, on est censé, dans le code de santé publique, être patient expert, au Québec, aurait cette qualification les personnes qui démontrent en situation une compétence à développer le pouvoir d'agir d'autrui, d'un pair, et non pas quelqu'un qui a un diplôme. Donc déjà, c'est une distinction fondamentale. La deuxième, c'est le fait qu'on reconnaît l'égalité des intelligences. Ces termes-là sont utilisés. C'est-à-dire qu'on connaît qu'il y a des formes d'intelligence qui se déploient et qui permettent d'obtenir des performances très intéressantes dans certains types d'institutions comme l'école, comme un hôpital, etc. Mais que le patient développe des formes d'intelligence stratégiques pour améliorer sa qualité de vie, etc. Et que donc, dans un choix qui peut nous paraître un peu des fois absurde, incohérent, paradoxal, il n'y a pas systématiquement, en tout cas, une irrationalité ou quelqu'un qui n'a pas pensé. Au contraire, il y a peut-être quelqu'un qui a trouvé le meilleur optimal dans son contexte de vie et qu'actuellement, avec ce qu'en tant que professionnel, on ne voit pas dans sa vie, ça se trouve, c'est la meilleure décision pour lui. Et donc, juste ça change le terrain d'à quel point on peut considérer la décision de l'autre comme étant pas stupide ou absurde dès le départ, par défaut en tout cas. Et ça nous force à aller chercher dans quel contexte il vit pour considérer que ça, c'est la meilleure manière de prendre soin de lui. Donc, je pense que ce concept d'égalité d'intelligence est important. Le troisième, peut-être, c'est que je pense que l'expérience qu'on a au Canada des peuples autochtones, le fait d'être au quotidien, fait en sorte qu'on fait l'expérience de personnes qui ont un rapport à la santé qui n'est pas du tout basé, par exemple, sur l'expression orale, où on ne va pas expliciter sa conception de la ville. On ne va pas essayer de faire un exercice philosophique visant à mettre des mots extrêmement précis sur sa conception de la vie bonne. On va partir, par exemple, sur des côtés spirituels, sur la présence d'esprit ou ce genre de choses. Et donc, le fait que ces deux médecines se parlent fait en sorte que ça ouvre un peu plus les types de soins, les types de pratiques, ce qui est entendable en termes de soins, parce qu'on voit très bien qu'ils ont survécu dans des conditions relativement hostiles pendant des milliers d'années avec ces savoirs-là. Donc, ce n'est pas des savoirs non performants. Ils sont capables de survivre et d'atteindre des niveaux de santé tout à fait acceptables là-dessus. Donc, ça, c'est le troisième. Et peut-être le quatrième qui change beaucoup, c'est que l'éducation thérapeutique, ce n'est pas institutionnalisée aussi vite, je pense. Elle est restée plus diffuse. Il n'y a pas eu forcément, on reconnaît au Québec des fois plus facilement des activités d'éducation thérapeutique sans qu'elles soient dans un programme. Donc, on va plus facilement des fois nommer éducation thérapeutique une activité qui contribue au développement des pouvoirs d'agir d'une personne qu'un programme formalisé qui est fait sous telle forme et qui est financé comme ci, etc. Et je pense que sortir du statut ou de la qualification institutionnelle d'un dispositif et de ramener ça à plutôt des caractéristiques de l'action, c'est-à-dire aide de l'éducation thérapeutique, quelque chose qui, je peux le vérifier, aide à développer les pouvoirs d'agir de la personne sur sa santé ou celle d'autrui, ça qualifie une activité d'éducation thérapeutique. Je pense que c'est une autre distinction qui peut être en place. Merci, Alexandre. Je vais conclure parce qu'il est 12h32 et chez Aetna, on aime bien respecter les horaires, on lutte. Ma position personnelle, et je ne l'impose à personne sur cette question-là, c'est que
L'éducation thérapeutique, on a beaucoup travaillé sur le comment, sur la technique, sur la combinaison d'outils. On a un peu oublié qu'au bout de l'outil, il y avait une main, donc un phénomène d'appropriation. Et on a un peu oublié le pourquoi. Alors, quel est le sens qui est donné à la mise en œuvre des techniques? Moi, je m'intéresse beaucoup au pourquoi. C'est le pourquoi. L'éthique, pour moi, c'est la recherche du pourquoi. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, individuellement, collectivement, en particulier ou professionnellement? Je m'arrête là. Je vous renvoie à 14h. Évidemment, tout ce qui a été dit va être enregistré, retenu, condensé. On n'a pas fini de travailler sur ces questions-là. Et je vous invite donc à déjeuner, à réfléchir, à digérer tout ce que vous avez entendu. Et à tout à l'heure à 14h. Voilà. Et merci beaucoup à nos invités. Ils ont été aimables, ils ont été modestes, ils ont été ouverts, ils ont pratiqué toutes les qualités qu'on reconnaît aux personnes qui s'investissent en ETP et en démocratie en santé. Alexandre Berquès. À bientôt.